Clique bonjour cinéphiles et cinéphiles, on se retrouve aujourd'hui pour vous parler de ceci. Il vient de sortir, il est tout frais, il est tout neuf, c'est le volume 2 de... Hop, je sais, vous allez me dire, il me prend pour un con, on n'arrive pas à voir, c'est pour encore une fois vous montrer la galette. Là, je remercie bien entendu Universal qui nous a envoyé Jack Reacher, le numéro 2, Never Go Back de Jack Reacher. Que dire sur ce film? Bah, on se souvient un peu de l'opus du premier, hein, qui est un bon film d'action avec Monsieur Tom Cruise. Et ben le 2, il est autant, parce que des fois, on se dit quand on fait du remplissage, on en fait un deuxième volume, un troisième volume, on va se dire bah, à quoi s'attendre et peut-être que ça va être du réchauffé. Et ben ce n'est pas le cas du tout. Il est vraiment, vraiment bien fait. Le pays d'origine, ben, c'est tout est fait aux USA. Et donc, il est excellent. Alors, moi, je vais vous conter la chronique, tout simplement, du film, le synopsis. Et puis après, on pourra regarder un extrait et on pourra en juger par après. Donc, Jack Reacher est de retour, prêt à tout pour obtenir justice. Suzanne Turner, qui dirige son ancienne unité, est arrêtée pour trahison. Jack Reacher ne reculera devant rien pour prouver l'innocence de la jeune femme. Ensemble, ils ont décidé de faire éclater la vérité sur ce complot d'État. Et ben, nous, ce qu'on va faire, on va se mettre dans la peau de Jack Reacher pendant une petite deux minutes pour regarder les extraits, surtout tout de suite après. Comment ça va? J'aime pas qu'on me suive. Deux choses vont arriver. D'abord, le téléphone qui est là va se mettre à sonner. Ensuite, vous aurez ces menottes au poignet. Ça ne s'arrêtera pas de sonner. Vous êtes qui, nom de Dieu? Celui que vous n'attendiez pas. Jack Reacher. Toutes ces décorations, vous êtes une légende. On raconte quoi d'autre? J'ai besoin de votre aide. Quelqu'un tue des soldats. Des hommes qui étaient sous votre commandement. Là, c'est l'heure de la chasse. Je sais pas ce qui vous motive, je vous jure que je trouverai la réponse. Personne ne trouvera rien. Et si je t'arrache le bras pour te massacrer avec? Reacher est trop près. Comment ça va? J'aime pas qu'on me suive. T'es un homme mort. Un de nous, en tout cas, ça c'est sûr. C'est de la peur que j'entends dans ta voix, Jack? C'est de l'excitation que t'entends dans ma voix. Oh, il sent pas très bien. Je vous conseille celle-là. Alors, j'espère que votre adrénaline et retombe un petit peu, car c'est un film bourré de testostérone quand même. Hein. Quand on dit testostérone, il n'y a pas besoin d'avoir des gros muscles pour avoir des bons films d'action. Et ben pour moi, c'est une suite de Jack Reacher qui ont pu renouveler ce film sans trop proposer des choses du réchauffé. Quoi. C'est vrai qu'au début, on a créé un petit peu ce genre de choses, mais après, le film se laisse savourer. Et encore une fois, Tom Cruise, ben, au plus haut de sa forme, et ce n'est que bonheur pour nous. Alors, en piste audio, nous avons du japonais Dolby Digital 5.1, italien Dolby Digital 5.1, allemand Dolby Digital 5.1, français Dolby Digital 5.1, espagnol Dolby Digital 5.1 et de l'anglais. En sous-titres, là, nous avons de l'italien, de l'allemand, du suédois, du japonais, du finnois, du norvégien, du français, du néerlandais, du danois et de l'espagnol. Sous-titres pour sourds et malentendants, on a de l'anglais. La note que Passion Blu-ray a attribuée à ce film est un bon 9 sur 10. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de films d'action, mais quand on en a, généralement, ils sont bien. Quoi. Ils sont bien et il faut leur attribuer les bonnes notes. Donc voilà. Donc, faut savoir que à la réalisation, on a quand même Edward Zwick à la réalisation avec donc Tom Cruise, Kobe Smulders, Robert Knepper. Si vous vous souvenez, j'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs. C'était bien entendu Prison Break, si vous vous souvenez, Robert Knepper.
qui joue aux côtés de Tom Cruise, Robert Knepper, qui était le psychopathe dans Prison Break, hein, le violeur récidiviste T-Bag, si vous vous souvenez. Donc, voilà. Et donc il y a Aldis Hodge, Danica Yorce, Holt McCallany. Alors en scénario, on a Richard Wenk, Edward Zwick et Marshall Horskowitz. Excusez-moi, je ne suis pas d'origine des Balkans, donc généralement c'est un peu dur pour moi ce genre de prononciation. La musique est de Henry Jackman et la durée du film elle dure 1h58 et franchement on ne voit pas passer ce temps tellement qu'il est bien ce film, je vous le conseille. Alors c'est sorti chez les éditions Paramount Pictures et c'est distribué par Universal Pictures Video. C'est sorti le 28 février, bon on s'excuse un peu du retard mais je vous dis c'est parce que vous ne voyez pas derrière nous dans le salon, on a... Je vous mens pas une pile comme ça à traiter et on ne sait pas où mettre la tête. Et ce qui nous prend énormément de temps, l'air de rien, c'est quand même les séries. Mais je ne viendrai jamais à chroniquer une série si je n'ai pas vu le début et la fin de la série. Parce que il y a toute une histoire et on ne peut pas juger une série sur deux épisodes. Donc, dans les bonus, par contre, nous avons le retour de Richard. Pas de pitié, combat sur le toit, une famille inattendue, sans répit sur le tournage en Louisiane, accomplis ta vengeance, combat à mort, et Richard dans l'objectif avec Tom Cruise et le photographe David James. Donc voilà, moi je vous conseille ce film bourré d'action et franchement très très bon film, Jack Richard. Je rappelle aussi qu'il est pour le moment numéro 1 des ventes un peu partout en France. Donc Jack Reacher numéro 2 qui s'appelle tout simplement Never Go Back. Voilà les amis, on se retrouve tout de suite pour une prochaine chronique. Ciao !